merci pour cette grâce, cette onction sur ma vie. Merci pour ta parole qui est accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Père, je veux te rendre grâce pour la délivrance, la restauration. Merci pour ta main puissante et ton bras étendu qui se déploie sur ton peuple. Merci Seigneur pour la puissance infaillible de la vérité. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise, partout là il se trouve, amen trois fois. Amen. Amen. Non, 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 ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi trois bons amen enthousiastes. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Amen. Il faut oser. C'est le thème de ce message. Il faut oser. Eh bien, je ne vais pas courir, parce que le but de ce message est de créer une véritable métamorphose au niveau de ton système de pensée, pour que la perception que tu as de la vie soit différente et que tes actions soient conséquentes à la vérité que tu auras assimilée. Ce qui donne la force à la vérité, c'est ce que tu choisis d'en faire. Note-le. Ce qui donne la force à la vérité, c'est ce que tu choisis d'en faire. Je peux désarmer la vérité par la désobéissance à la vérité. Ne pas agir sur la vérité est équivalent à ne pas la connaître. Ne pas agir sur la vérité est équivalent à ne pas la connaître. Je pense qu'il est temps pour l'Église, il est temps pour le corps de Christ, d'avoir l'audace d'agir propensionnellement à la connaissance révélée que nous avons de Dieu. L'audace d'agir proportionnellement à la connaissance révélée que nous avons de Dieu. Alors nous parlons d'oser. Il faut oser. C'est quoi oser? Eh bien, défini par Larousse comme étant entreprendre avec assurance. On dit de quelqu'un qu'il ose quand il entreprend avec assurance. Donc, on ne peut pas parler d'oser en étant inactif. Quand on parle d'oser, c'est qu'il y a l'action. Deuxième définition, c'est agir avec courage et avec audace. Agir avec courage et audace. Et vous savez, vous n'allez jamais être à même de réaliser sous le soleil ce que Dieu vous a prédestiné à faire si vous n'êtes pas courageux ou audacieux. Et dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont osé. La femme à la perte de sang, malade pendant près de 12 ans, est passée chez tous les médecins. Femme riche, parce que pour se soigner pendant 12 ans, il faut avoir de l'argent. Et après avoir vu tous les médecins et sachant que sa condition ne faisait que s'empirer, un jour entendit parler de Jésus. Et elle a résolu en elle-même. Et elle a dit, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Et la Bible dit qu'elle a bravé la foule, elle a osé braver l'interdit de la loi qui disait qu'une personne qui perdait du sang était impure et donc ne devait pas se mêler à la foule. Elle a osé utiliser cet interdit comme étant, voyez-vous, un avantage en sa faveur. Et c'est ainsi que, disant impur, 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 elle s'est frayée en chemin, elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus connut qu'une force l'avait quittée, c'est-à-dire qu'elle a été guérie sans demander la vie de Jésus. Ça s'appelle l'audace.
Je vais vous dire une chose. Les personnes qui attendent que Dieu ordonne tout pour elles peuvent mourir sans poser un pas. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, on va voir des choses profondes. Ensuite, il y a cet homme paralytique, paralysé, qui ne pouvait pas marcher. Il quitte celui, il convainc 4 personnes, portez-moi, amenez-moi vers Jésus. Et il arrive, il y a la foule, il y a du monde, la salle est pleine comme aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'entrer. Le protocole a barré en disant, c'est plein. Il dit, ok, si on ne peut pas passer par la porte, rien ne m'empêche de passer par le toit. C'est un paralytique. Il dit, porte-moi, jetez-moi au travers du toit. Et il tombe dans la salle, au même instant, Jésus le vit et la Bible dit, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il a été audacieux. Dans la vie, il faut oser. Bartimée, oppressé par la foule parce qu'il criait. Fils de David, on dit tais-toi, il dit non, il crie plus fort. Voyez-vous, il ne s'est pas laissé intimider par les avis des autres. Et au même instant, Jésus s'est arrêté pour lui. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que cette nuit, à partir des résolutions de ton âme, Jésus s'arrêtera sur ton cas. Et ta situation sur la terre ne sera plus jamais la même. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous voyez, Moïse est un grand leader, très très grand leader. À la fin de sa vie, sachant qu'il va bientôt partir, il regarde, il sait qu'il va passer le bâton à Josué, lui donnera un conseil de taille. Regardez Deutéronome 31, verset 7. Il dit, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que Moïse lui a dit? Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que Moïse lui a dit? Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, le fait d'être fort ne dépend pas simplement de Dieu, mais ça dépend aussi de toi. Il n'a pas dit prie pour que Dieu te fortifie, mais il dit fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. Ma question est la suivante. Qui avait envie de voir ce peuple entrer à la terre promise? Répondez-moi s'il vous plaît. Les religieux ne vont pas comprendre ce que je dis. Je me lève maintenant contre tout esprit de religion. Je lis ses forces. Je propulse dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Qui avait envie de mener ce peuple à la terre promise? C'était Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que Moïse dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que Dieu a juré à leur père. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi j'ai besoin d'être courageux alors que Dieu a déjà réservé la terre au peuple? Simplement parce que vous n'allez jamais posséder ce que Dieu vous a réservé d'exclusif, sans audace, sans courage, sans savoir oser. Impossible. Impossible. Il faudra du courage, de l'audace. Il faut savoir aussi. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard, Dieu donne le même conseil à Josué. Josué 1, verset 6, regardez ce qu'il dit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mais c'est étrange. Comment est-ce que Dieu reprend le conseil de Moïse et le redonne à Josué? Et au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Voyez-vous, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire qu'être courageux n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Et Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Vous savez que Dieu n'aime pas les flemmards. Amen. Est-ce que vous comprenez? Être courageux, ça fait partie de ce que Dieu attend de chaque croyant. Et pour ceux qui ne le savent pas, le courage est engendré par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, Dieu attend du juste que le juste soit courageux. Alors, parle-moi de ta foi, je te demanderai de me montrer ton audace, de me montrer où tu as osé dans la vie.
Dis que j'ai la foi. Tout le monde peut le dire. Mais seules tes actions audacieuses révèlent véritablement ta foi. Je reprends. Seules tes actions audacieuses révéleront véritablement ta foi. Nous parlons d'oser. Il faut oser. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi, prends courage, ne te frais point et ne t'épouvante point. Il n'a même pas dit ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas épouvanter, il dit ne t'effraie point. Il y a des gens qui se fraient eux-mêmes. Il y a des gens qui paniquent eux-mêmes. Ce n'est même pas le diable qui les fait paniquer. Ils paniquent eux-mêmes. Il dit, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu, note bien, tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit dans tout ce que je te demanderai d'entreprendre. Il dit dans tout ce que tu vas entreprendre, je suis avec toi. Il y a des gens comme ça qui ont une alliance forte avec Dieu. Quel que soit ce qu'ils touchent, le Seigneur les accompagne. Après ce message, il en sera ainsi pour toi, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Le courage d'oser. Vous savez, frères et sœurs, personne d'entre nous n'est né par hasard. Personne n'a jeûné et prié pour naître. Et si Dieu a dit, vous êtes mon ouvrage, que j'ai recréé en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, ça veut dire qu'il y a un but divin rattaché à ta vie. Alors laisse-moi te dire ce que ça veut dire. Ça veut aussi dire que tu es l'incarnation des enjeux divins. Donc quand tu te balades dans la rue, quand tu vas au travail, quel que soit ce que tu entreprends, il y a des enjeux divins qui sont rattachés à ta vie. Donc rien que cette révélation doit te donner d'être assez courageux. Donne-moi ton meilleur amen. Alors nous allons aller ce soir là, l'étude d'un homme exceptionnel appelé David. Dieu a dit de lui, il est un homme selon mon cœur. Allons voir comment le courage a sublimé la vie de David et a fait de lui cet homme modèle, cet homme que Dieu a aimé de tout son cœur et a dit, ce garçon là c'est un homme selon mon cœur, il est comme j'aime qu'on soit. Et le but de ce message, c'est que ce message te donne l'âme de David. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Amen. Dans 1 Samuel 16 au verset 1, la Bible dit, vous savez là, Israël avait un roi appelé Saül qui a désobéi à Dieu. Mais ce roi était en quelque sorte le choix du peuple. Et donc Dieu va dire ceci. Après la désobéissance au prophète Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Esaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, moi Dieu, j'ai un désir. Il y a un jeune homme, 8e fils de son père, Bethlémite, fils d'Esaïe. Ce jeune homme me plaît trop. Je désire ce gars comme roi pour moi, sur le peuple d'Israël. Il y a des gens qui prient pour avoir une percée. Il y a des gens pour qui Dieu prie afin qu'ils percent à leur égard en disant, je veux cette personne. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je désire l'avoir pour roi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu en désire. Il dit, je veux ce jeune homme pour roi sur Israël. Je veux ce jeune homme. Donc ça veut dire que ce jeune homme avait quelque chose d'assez singulier, d'assez particulier. D'accord? Et Dieu dit, je veux voir ce jeune homme régner sur Israël. Il y a des désirs que Dieu émet à ton égard. Il y a des souhaits et des rêves que Dieu a vis-à-vis de ta personne. Et ma prière au son de ce message, dans tes oreilles ou dans ton âme, c'est que tu ne passes pas à côté de ce que le ciel a réservé prophétiquement dans le nom suprême de Jésus. Ta vie va combler le cœur de Dieu.
Ta vie va honorer le plan de Dieu. Ta vie va révéler la grandeur de Dieu. Ta vie va révéler la puissance de Dieu. Ta vie va révéler l'intelligence élevée de Dieu. Ta vie va montrer que le monde est surnaturel, surpasse le naturel. Ta vie va parler fort. Dans ta génération et après ton départ sur terre, au nom suprême de Jésus, je suis en train de décréter, déclarer, établir que certains d'entre nous seront éternels. Éternels, éternels sur la terre. Ta manière de dire amen m'embête. C'est-à-dire que même après ta mort, tu ne seras pas mort. Tes œuvres, tes actions, tes réalisations, tes faits parleront de ce que Dieu est capable de faire des choses et tellement puissantes avec des hommes ordinaires. Alléluia. Amen. David, huitième fils de son père. Dieu dit au prophète, j'ai rejeté Saül, je désire ce jeune homme comme roi. Or, ma prière vraiment c'est que tu retrouves la place, que tu retrouves le trône, que tu retrouves la position, que tu retrouves le siège qui t'attend parce que Dieu désire que tu sois à cet endroit. C'est ma prière pour toi. Personne ne saura l'arrêter. Après ce message, naîtra quelque chose en toi qui ne sera pas habituel. Quelque chose de profond dans ton cœur. Et les gens diront, il ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Mais laisse-moi te dire, ton audace te conduira sur le trône de ta destinée. Ton audace t'amènera sur le siège que Dieu t'a réservé. Ton audace te donnera d'occuper la place que Dieu a pour toi sous le soleil. Dis encore amen. Dis encore amen. Même s'il t'arrive de mourir après, ce message et l'obéissance à la parole qui te sera communiquée, tu ne mourras pas. David était le huitième fils de son père. Vous savez, nous croyons tous, et selon les révélations qui m'ont été accordées, je parle là vraiment dans la dimension du manteau prophétique que je rêvais, qu'il y a une dimension de prédestination rattachée à la vie de chaque être humain. Et la seule que Dieu a connue d'avance, il les a prédestinés. David, l'histoire raconte qu'il est même un fils adultérin. Et il est rejeté dans sa famille, méprisé par ses propres frères, pas considéré, et il a des basses tâches. Il est celui qui est au champ, en train de s'occuper des brebis, alors que les autres frères sont en ville. Mais David avait quelque chose de particulier. Quand le prophète Samuel arrive dans la maison, le prophète Samuel va donc poser la question, il va dire, demander à Isaïe de faire venir ses fils. Enfin, défiler là, Eliab, bonhomme. Oh, peut-être qu'il faille qu'on lise le texte. Très beau, une belle apparence, d'accord, et élégant, belle taille, belle figure. Et donc, quand Samuel le regarde, Samuel dit, sûrement, cet homme-là, c'est le choix de Dieu. Mais Dieu dit à Samuel, les hommes regardent à ce qui frappe l'apparence, mais moi, je transcende l'apparence, je regarde au cœur. En d'autres termes, écoutez-moi attentivement, Dieu a été séduit par le cœur de David. Et il dit, moi je regarde au cœur. Donc Dieu, au milieu de cette famille où le garçon était méprisé par ses frères, rejeté, l'attitude de cœur de David, la manière de faire de David, ont attiré l'attention de Dieu. Je regarde au cœur. Celui-là n'est pas mon choix. On a fait défiler tous les autres frères en disant, non, parmi les sept là, il n'y a personne. Et dont la parole de connaissance est accordée au prophète qui dit, Isaïe, est-ce que c'est tout ça tes enfants? Il dit, non, 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 il y a un dernier petit. Il est en brousse de l'autre côté. On dit, non, va le chercher, car je ne veux pas oindre d'huile quand il ne sera pas arrivé. Est-ce que tu sais qu'en ce qui concerne ta destinée, la préoccupation centrale que tu dois avoir, c'est de continuer d'aimer Dieu et de faire ce que tu fais de tout ton cœur. Laisse-moi te dire, les opportunités pour que ce que Dieu a arrêté d'avance pour ta vie se manifeste, seront créés par Dieu lui-même.
J'ai aujourd'hui, avec le peu d'expérience dans le ministère, je me suis rendu compte qu'il y a ce que j'appelle des opportunités orchestrées par le ciel. Premièrement, même le cas de Saül, je crois de tout cœur qu'il y a eu derrière une embrouille que Dieu a provoquée pour laisser apparaître celui qu'il aime. C'est peut-être trop profond pour toi. Et donc, on voit le cas de David qui apparaît sur scène. Il dit, allez le chercher. David est en brousse. David est avec les brebis. Quand le prophète le voit, Dieu lui dit, c'est lui mon choix. Il est oint d'huile. Il est oint pour roi sur Israël devant ses frères. Là, Dieu démontre au milieu de ses frères, de sa famille, que lui, là, c'est le choix de Dieu. Et on consacre David et on prie pour David. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Faites attention. Quelle que soit la dimension de votre appel, un jour, vous devez être en contact avec une vraie voix prophétique. Cette voix prophétique devra affirmer, confirmer sous le soleil que le ciel vous a appelé. C'est bien Dieu qui a aimé David, mais il fallait le prophète Samuel pour le oindre. Voyez l'intelligence en haut. Alors il va oindre d'huile ce jeune homme. Mais vous savez, l'histoire de ce jeune homme est une histoire terrible. Écoutez-moi attentivement, il est en brousse. En brousse, il va tuer le lion, il va tuer l'ours. Donc ça veut dire que David avait des talents. Vous savez qu'est-ce que sont des talents? Ce sont des dotations que Dieu a donné à chaque humain, lui rendant capable d'être performant dans un secteur singulier de la société pour y apporter sa plus-value. Donc, nous sommes tous talentueux d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un dit talent. Quelqu'un dit talent. Une dotation que Dieu donne aux hommes qui te permet de t'exprimer dans un couloir spécifique pour apporter la plus-value que Dieu veut que chaque humain apporte pour l'embellir de la société. Donc, qu'on soit païen, qu'on soit enfant de Dieu, on a tous des talents. Quelqu'un dit, j'ai un talent. Encore, vous savez, David était talentueux. Avant qu'il ne soit oint d'huile, on n'a pas dit qu'il est né de nouveau, mais il était en brousse. Il s'occupait des affaires de son père. Et la Bible dit, quand le lion arrivait, David était courageux. David allait, il affrontait le lion, il détruit le lion. Quand l'ours apparaît, il frappe le lion, il tue l'ours. Je vous pose une question. Qui était là quand David faisait ça? Personne. Qui était là? Est-ce que vous savez qu'il vous faut des espoirs secrets que seule votre âme enregistre? Les personnes qui n'ont pas d'espoir secret ne pourront pas avoir d'espoir public. Et David, qui est donc un homme, et plus tard on va se rendre compte que quand David tuait le lion et l'ours, il ne s'appuyait pas sur sa force, qu'il s'appuyait sur l'Éternel, il croyait au surnaturel. Il croyait en l'existence de Dieu. Ça veut dire qu'il priait en disant, Père, aide-moi à garder les troupeaux de mon père et qu'aucune brebis ne se perde. Malgré qu'il était méprisé, il respectait et honorait les responsabilités, les tâches qui lui avaient été assignées. Les gens dans la communauté qui n'attendent que d'avoir des responsabilités qui vont les exposer ne pourront jamais être performants dans leur maximum. Car Dieu va toujours prendre le soin de te cacher avant de te révéler. Car les espoirs secrets sont toujours précurseurs de grands espoirs publics. C'est très, très, très important. C'est très important. Vous allez vous rendre compte dans la communauté, on a des gens que Dieu a choisis. On a des hommes comme ça dans des églises. Vous les voyez porter des chaises. Vous les voyez aller à l'évangélisation. Ils sont peut-être pas respectés, considérés comme tous les autres. Mais méfiez-vous, ces hommes et ces femmes-là, que personne ne voit, Dieu les voit. Ils n'ont peut-être pas la beauté d'Eliab. Ils n'ont peut-être pas l'apparence d'Eliab. Ils ne s'habillent peut-être pas comme des rois. Mais ils ont le cœur des personnes que Dieu aime. Et leur royauté ne tardera pas à s'exprimer au milieu des semblables. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais de quoi je parle. Le ministère, je n'ai pas commencé, pasteur. J'ai commencé en portant les bancs, en nettoyant les toilettes,
en portant le sac de mon père, en allant chez lui couper le gazon. C'est par là que j'ai commencé. En faisant l'intercession le matin, en priant, c'est quand un jour je priais le matin, ayant préparé le temps de prière, que mon père spirituel m'a regardé, il m'a dit, il y a un appel sur ta vie. Je prêchais dans les rues, j'avais pas besoin que quelqu'un le remarque, mais j'agissais selon les pulsions intérieures de mon âme. Je prenais 1000 traités, je sortais en plein jour dans les marchés et je parlais de Jésus, et je parlais de Jésus, et je parlais de Jésus. Personne ne me demandait de le faire, mais au fond de moi, je ressentais qu'il me fallait partager ma foi à mes semblables. Vous savez, il y a des étranges formations que Dieu vous donne, qui ne sont pas des formations conventionnelles, qui ne sont pas des formations qui ont lieu à l'école, qui ne sont pas des conventions qui ont lieu, des formations qui ont lieu à l'église, mais qui ont lieu simplement parce que tu obéis aux pulsions de la vie. Tu passes par les péripéties que le ciel a arrêtées d'avance pour toi. Avoir le courage d'oser, même dans les petites choses. Quand quelqu'un me donne son meilleur amen. Et donc David va donc grandir de la sorte. Il va développer son talent. Il va être loin d'huile. Et puis, je crois que quand l'onction d'huile intervient, alors les dons apparaissent. Parce que le don, ce sont des aptitudes surnaturelles apportées comme dotation spéciale à la nouvelle naissance ou après que le Saint-Esprit soit entré en contact avec une personne, pour amplifier son rendement sous le soleil. Donc, le don est donné par le Saint-Esprit, ou après qu'il y a eu une consécration, il y a des dons qui descendent pour amplifier, c'est-à-dire pour amplifier ton rendement. Donc, il y a une amplification. Alors que le talent, tout le monde l'a dans un domaine précis, mais les dons, ils arrivent par le Saint-Esprit pour amplifier ce que tu avais déjà commencé par faire par les talents, avec les talents. Et ils peuvent apporter même, vous voyez, une autre dimension, révéler une autre dimension de ton être que toi-même tu ignorais. Parce qu'en fait, tu ne sais pas tout ce que tu es. Et l'une des grandes prières, comme j'ai dit aux gens, c'est de prier pour découvrir qui ils sont. Mets ta main sur ton cœur et demande, Seigneur, qui suis-je? Non, pose encore la question à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Alléluia. Maintenant que David a fait tout ça, et alors, voyez-vous, lui sera donné une opportunité extraordinaire. Tandis qu'il est dans les champs, il a été au loin d'huile comme roi. Mais son père amène son fils dans les champs. Il n'a pas de problème. Lisons cette histoire parce que je veux qu'on la lise. 1 Samuel 17, 4 à 11. Regardez, on aura beaucoup de lectures. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de garde. Il avait une taille de 6 coudées. Et un empan, donc près de 3,15 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria, « Pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Et choisissez un homme qui descende contre moi. Et s'il peut se battre, et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Donc voilà un homme qui se lève et qui dit, économisons les vies. Ça ne sert à rien d'aller nous battre comme ça pour tuer des gens. Vous savez, moi j'ai un bon sens. Moi je viens contre vous, choisissez un guerrier. Il avance. Et là nous avons en face l'armée de Dieu.
les personnes qui ont reçu une, de Dieu une alliance de par leur père Abraham. Les personnes que Dieu a dressées contre eux, les Philistins, comme ennemis. Depuis l'histoire que nous voyons, d'accord, avant même qu'eux ne soient. Cette histoire a commencé avec le prophète Samson. Et donc, et le gars parle, tout le monde panique, tout le monde tremble. Personne, parce qu'il dit, donnez-moi un homme. Que ce soit Saül, que ce soit l'armée, les gars sont là et cette histoire a duré 40 jours. Alors ça ressemble étrangement à l'histoire que nous avons aujourd'hui à l'église. Goliath se lève, Goliath parle. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qui se font entendre et il y a des pasteurs qui ne peuvent plus prononcer certains thèmes dans leur pays parce qu'ils ont peur que l'église sera fermée, parce qu'on va les taxer d'homophobes, parce qu'on va dire que vous, vous êtes ceci et cela. Ce sont des Goliaths qui se lèvent et disent, si quelqu'un peut se battre, qu'il vienne donc en face. Frères et sœurs, être ensemble ensemble ne veut pas dire qu'on atteint les desseins de Dieu. Être dans la masse ne veut pas dire que je suis en train de servir au plan de Dieu. Être tous les jours à l'église ne peut pas satisfaire Dieu si ta venue à l'église ne t'amène pas à pouvoir, sous le soleil, atteindre le but pour lequel Dieu t'a suscité. Ne te contente pas de chanter, de danser ou d'être armé dans une, d'être gradé dans une armée de religieux. On avait des colonels, des lieutenants-colonels et des généraux dans une armée de craintifs et de peureux. Ça ne sert à rien. De tels grades, alors que tu ne peux pas te battre. Le Philistin est venu en face et a dit, si quelqu'un parmi vous peut se battre. Et vous voyez, tout le monde a eu peur, vrai ou faux? Tout le monde a eu peur de ce que le Philistin était en train de dire. Ils étaient effrayés par les paroles du Philistin. Là, le défi était lancé. Qui peut oser? Qui de vous peut oser venir m'affronter? Tout le monde a tremblé. Mais il me plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous amener à prendre connaissance de certaines vérités profondes. Écoutez-moi très bien. David va entrer dans la scène, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Quand David va arriver sur la scène, David va entendre les mêmes paroles qui sont prononcées par ce Philistin. Les mêmes paroles. Et donc, pour gagner un peu en temps, David va courir vers ses frères, prendre des nouvelles, quand il entend la parole, et il pose la question. Il entend en même temps le roi qui dit, « si quelqu'un bat ce gars, je lui donne ma fille. » Sa famille ne va plus jamais payer les impôts. Mais pendant qu'il dit ça, tous ces gars à côté, qui est fou, va mourir toi-même. Tu vas voir les gens mourir pour ta fille qui va aller se battre. Que personne n'ose. Est-ce que vous comprenez? Mais David avait une attitude différente. Il arrive, il pose la question. Il demande, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il pose la question trois fois. Ses propres frères l'écoutent. Ses propres frères. Comment ça lui dit, mais David, nous connaissons la malice de ton cœur. Tu es venu ici parce que tu es venu observer la bataille. On n'a même pas dit venu te battre. Le mépris était total. Au point où son propre frère, malgré qu'il a vu qu'on l'a oint, il y a des gens qui ne croiront jamais en vous. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, il y a des gens dans la vie, ils ne vont jamais croire en vous. On n'a qu'à vous ordonner, ils ne vont pas croire. Le jour où ils vont croire, c'est le jour où tu auras fait poser un acte qui les oblige à croire. Et je pense que l'heure est arrivée pour toi de poser un acte qui oblige les gens à croire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Avant de revenir sur l'histoire de David, je vous raconte l'histoire de son petit frère, Raoul Wafo. J'arrive dans une église. Écoutez-moi sérieusement. Oh, ouais. J'arrive dans une église tout jeune. Révérend Évêque, je ne t'ai pas ordonné. Alors, j'étais juste un prédicateur et ils avaient organisé une fête, c'était à la Pentecôte. Ils organisent une grande fête de moisson et on dit, il y a un orateur. Le pasteur dit, ok, faites-le venir. Tous les anciens sont là et puis maintenant, l'orateur arrive. À ce programme, je me souviens comme si c'était hier, j'étais accompagné de mon protocole ancien homme d'affaires qui avait fait faillite et qui m'accompagnait partout maintenant pour prêcher. Il a été pour moi pendant un temps au sujet de prière. J'ai dit à Dieu, pourquoi cet homme ne me suivait pas quand il avait un peu?
C'est quand il est tombé en faillite qu'il me suit. Il y a des gens qui te poursuivent, ça t'énerve. Parce qu'en fait, ils te poursuivent et vous partagez le peu qu'on te donne. On est passé par là. Donc tu vas prêcher, on te donne 2000, tu lui donnes 500 francs pour son taxi. Et tu rentres à la maison, tu te plains. Comment le gars, voyez-vous? Mais le gars te dit, partout où tu pars là, je t'accompagne. Il est calé derrière toi. Ah non, non, il y a des histoires dans la vie. Hein. Il y a des choses par lesquelles on passe, je vous garantis, sérieusement. Et dans ce jour-là, je me rappelle, on était ensemble, je suis arrivé en face. Le pasteur dit, mais vous vous moquez de qui? Un programme comme celui-là, c'est un enfant qu'on s'est venu à parler. Il a parlé déjà. Les anciens, un dit, non, mais je le connais. Laissez-le prêcher. Le pasteur, lui-même, quand j'ai vu là, il sentait qu'il n'était pas inspiré, il ne pouvait pas prêcher. Donc ils étaient dormis. Donc il s'est dit, bon, dans tous les cas, personne de nous n'est prêt, laissons le petit. Ah, la babou s'attarde. Aïe, babou s'attarde. Est-ce que vous savez que le ciel aime qu'on vous lance des défis? Est-ce que vous comprenez? Le ciel aime qu'on vous lance des défis. C'est face aux défis lancés à l'armée de Dieu que la puissance de Dieu se révèle le mieux. Une vie sans défi est une vie sans goût. Une vie sans adversité est une vie insipide. Une vie sans obstacle ne révélera jamais la grandeur de Dieu par toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je veux plus loin. Les défis auxquels tu auras été confronté dans la vie sont des révélateurs de l'appel qui t'a adressé. Alors ce jour, vous savez, je sais qui je sais. Si quelqu'un m'appelle petit, c'est son problème. Je sais qui m'a appelé. Le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas petit. Le Saint-Esprit qui est en moi, je n'étais pas. J'avais un costume que j'avais pris à la fripe. J'avais une apparence d'un garçon maladif, frêle, mince, mais dedans, ce qu'il y avait, c'était du costaud. C'est quelque chose de fort. Vous savez, ce qui va faire de vous une personne dans la vie, ce sont les convictions de votre âme. Est-ce que vous comprenez? N'ayez jamais peur. Ne soyez pas intimidable. N'acceptez pas qu'on vous méprise. Jamais dans la vie. N'essayez jamais. N'acceptez jamais. Frères et sœurs, personne ne vous a créé. Même ton propre père, même ta propre mère, même ton pasteur, personne ne t'a créé. Ne tolère jamais qu'on te méprise. Alors jamais, ne sois pas intimidé par ce que les gens disent. Ce qu'ils disent n'engage qu'eux. Ce n'est que leur bouche qui a parlé. Et leur bouche ne sert pas de sceau. Ce n'est pas la bouche de l'ennemi qui décide. Le sceau est donné par Dieu. C'est lui qui atteste qui tu es et non les hommes. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Je te le dis de par le Saint-Esprit. Cette nuit va changer l'histoire de ta vie dans le monde spirituel. Quelque chose est sur le point de se produire dans ton âme. Dis encore amen. Dis encore amen. Ce jour-là, avec crainte mais sans trembler, j'ai pris la parole et j'ai prêché. La gloire de Dieu est descendue ce jour-là dans le temple. Quand j'ai terminé le message, on a pris les offrandes, on a pris les dîmes, on a pris offrandes spéciales, on a tout pris. Le pasteur a porté, il est venu mettre devant mes pieds. Il dit, rentre chez toi avec ça. Il s'est mis à genoux. Ça dit, c'était, vous savez, il y a des choses, n'acceptez jamais. Écoute, vous dites bien, jamais, frère. Vous devez avoir l'âme de guerrier. Vous devez être guerrier dans l'âme. La vie est un combat permanent. Ne vous laissez pas intimider. Est-ce que vous savez, rêver que Dieu m'a dit? Écoutez, mon homme de Dieu, il m'a dit le message que j'étais demandé de prêcher. Je l'ai demandé à certaines personnes avant toi qui ont refusé.
Il faut de l'audace. Il faut pouvoir oser, même pour dire la vérité. On a plein de personnes hypocrites qui chantent Dieu est beau, Dieu est grand. Mais devant Goliath, tu as peur de la grandeur apparente. Tu chantes mal. Ce sont les épreuves de la vie qui révèlent si ton chant était authentique. Si ton chant était authentique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a porté tout et ils m'ont donné. La gloire de Dieu était descendue. Et j'étais béni. Et mon protocole de l'époque aussi était béni. Je me rappelle que ce jour-là, je lui ai donné même une de mes vestes. Tellement j'étais enjaillé de ce que Dieu avait fait. Qu'un événement pareil se produise dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Faut être sans crainte. David dit que personne ne se dérange. Ton serviteur ira se battre. Et donc, quand on lui demande, mais jeune homme, comment tu vas faire pour te battre? Il dit, ton serviteur était dans les champs. Quand le lion et l'ours venaient, je les affrontais et je les battais. Voyez-vous, il avait consigné ses victoires dans l'âme. Ah oui, moi j'ai des victoires comme ça sont consignées dans mon âme. Des batailles, je suis sorti vainqueur et c'est dans mon âme consignée. Vous savez, si vous n'avez pas de cicatrices, vous n'êtes pas un guerrier. Et vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir envoyer d'autres combats. Jésus a montré ses cicatrices avant de dire partez. Un vrai général a pris des coups. La vie te laissera des traces. Certaines d'entre elles, Dieu fera exprès pour qu'elles ne se fassent pas. Elles restent gravées dans l'âme. Comme l'antre de la victoire, de la fidélité de celui qui t'a appelé. Et chaque fois que tu passes par ces batailles, tire simplement les leçons. Parce que c'est ce qui fera de toi cet homme que tu as préparé pour ta génération. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire clairement, je ne suis pas le gars qui suis appelé par Dieu pour assembler autour de moi simplement 1 million de personnes qui viennent à l'église pour chanter et danser. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la religion, je la hais. Donc, ce que vous faites, la parole que vous entendez, est pour moi plus valorisant que le fait d'être assemblé autour de moi. David n'était pas religieux. David a vu, il n'a pas dit, bon, je vais courir voir, on va m'imposer les mains. Il faut que le prophète Samuel m'impose les mains pour que je reparte au combat. Il n'a pas pris 3 jours de jeûne. Il y a des opportunités qui n'attendent pas tes rituels religieux, mais une décision de l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas question de rituel. Je vais jeûner, je vais prier, et puis Dieu va me soutenir. Non, Dieu te soutient déjà parce qu'il t'a appelé. Ton silence m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je parle à ceux qui parmi nous valorisent l'intelligence et qui aspirent à la sagesse. Écoute-moi attentivement. David n'est pas allé à l'église pour dire, pasteur, priez pour moi parce que je dois aller affronter Goliath. L'opportunité n'allait pas attendre. Il s'est souvenu des combats qu'il a livrés parce que il avait déjà une révélation de que Dieu était avec lui. Donc David a été roi après qu'il ait déjà tué le roi, le lion et l'ours. Je parle là de la prédestination. Il y a des gens parmi vous, quand je vous entends parler, quelle sagesse, quelle connaissance, quelle éloquence, quelle intelligence, quel talent, quelle grâce. Mais ce serait dramatique, terrible pour nous que cette intelligence-là ne serve que dans 4 murs. Ce serait une insulte à l'intelligence de Dieu. David n'a pas allé pour une onction nouvelle. Oh, j'avais une fraîche onction pour affronter Goliath. Non! Il n'a pas demandé une fraîche onction. Non. Il n'a pas demandé ça. Pas du tout. Il a dit, ton serviteur ira se battre. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit que j'irai me battre. Lui-même a été surpris par Goliath. Et il a interprété la surprise comme une opportunité divine.
Faut pas toujours dire, non, Dieu ne m'a pas parlé. Comme Dieu ne va pas parler, je ne vais pas y aller. Et il y a des choses que tu vas faire, même quand Dieu ne t'a pas dit de faire. Il dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois entreprendre. Ah oui, tu dois entreprendre, oui. Parce que c'est bon pour le ciel. Si un ange ne t'apparaît pas pour te dire, arrête, continue. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Seigneur, 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 est-ce que vous savez que souvent quand vous demandez à Dieu, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Est-ce que vous savez que le silence de Dieu, en fait, est en train de vous dire, c'est, il sait que tu ne pries pas, que tu es en train d'exprimer ta peur. Vous savez, Dieu ne, c'est pas tu pries. Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Hé, hey, tu as peur, madame? Tu passes à côté. Ah, combien de fois dans nos églises, tu as prié pour Marie. Le mari arrive. Maintenant, tu trouves qu'il a trop d'argent. Il est trop beau pour être ton mari. Mais dans ton âme, c'est ce à quoi tu aspires. Maintenant, tu dis que tu vas aller en retraite. Le temps de ta retraite, quelqu'un d'autre a déjà pris. Mais, frère, ma soeur, il y a des moments où ce n'est pas une question de retraite. L'opportunité s'est présentée et il faut savoir la saisir. Ah, vas-y, soeur. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Quelqu'un dise encore amen. Vous savez, dans la vie, il faut savoir oser. Je n'ai pas dit aux soeurs d'aller affronter tous les mecs, non. Mais quand un gars vient vers toi et que tu te rends compte que les critères que tu attendais sont apparemment apparents, il faut être stratège pour pouvoir consigner la venue. Il ne faut pas laisser. Consigne la venue. Ça, même si tu n'as pas dit oui, consigne sa venue. Vous savez, sans qu'il ne sache qu'il est en liste d'attente. Ce n'est pas une question de liste d'attente. Tu es simplement en train d'attendre la signalité du ciel. Consigne la venue. Ne sois pas trop religieuse. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Et vous voyez, c'est là où nous entrons dans les choses compliquées. Où on transforme maintenant le pasteur de l'église en celui qui doit valider tous nos choix. Parce que est-ce que je dois faire cette affaire? Parce que je dois faire ci? Parce que je dois faire ça? Parce que non, arrêtez ça. Il faut savoir oser. J'ai aussi envie d'avoir un peuple qui m'impressionne par leurs actions. Je veux te regarder et dire, waouh Dieu, tu es grand. Waouh, tu es puissant. Waouh. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton serviteur ira se battre. Il était tellement déterminé que personne n'a pu l'arrêter. Saül dit, ok, je veux débarrasser ma conscience du fait d'avoir enrôlé dans l'armée quelqu'un qui se bat sans être inscrit de façon légale dans la liste des combattants. Je te donnerai quand même mes armes. Croyant qu'avec porter quand même les armes, on dira quand même le roi a eu compassion de lui. Il est mort, mais le roi l'a aimé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? David prend, il essaye, pose un pas, il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Avec gentillesse, mon roi, est-ce que je peux enlever ça? Le roi dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Meurs de la mort que tu as choisi, habillé de la tenue que tu as voulu. Si tu vas enlever ça, tu enlèves. Ça, c'est vraiment ton histoire. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien, je vais vous dire sérieusement. Dans la vie que nous avons là, je vous dis, sur 10 personnes, 9 et demi ne croiront pas en votre réussite. 9 et demi ne croiront pas en votre réussite. N'attendez pas que les gens valident vos décisions. Il faut agir par conviction. Il est écrit, à tes résolutions reprendra le succès. Ton serviteur ira se battre. Et donc David est parti. Il est parti se battre contre Goliath. Goliath, voyez-vous, affronte David. Je vois quelqu'un dont on parlera des espoirs à la télévision. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous voyez, il y a des courages que tu as. Tu ne sais pas d'où ça te vient, mais ça te vient du fait que quelque part tu étais appelé à ça. À l'intérieur de toi, il y a la niaque, il y a la conviction. Les Camerounais disent, je aime les. Il y a quelque chose dedans là qui sort.
et qui font de toi quelqu'un de particulier. On est entré dans une phase où les gens même ont des habits, ils ont peur de les porter. Les gens ont des chaussures, ils ont peur de porter. Les gens ont des voitures, ils ont peur de porter. Parce que les gens vont dire, hey, non mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu t'a donné, porte. Amen. Porte. Il n'y a pas de problème. Porte tes habits. Ne porte pas l'habit de l'autre. Porte tes habits. Laisse Saül avec son vêtement. Garde les tiens. Garde ton style. Ne te laisse pas corrompre. Et garde ton authenticité. Garde ton originalité. Garde qui tu es. Ta manière d'être. Amen. Gloire à Dieu pour les personnes qui prêchent avec le t-shirt. Ce n'est pas wafo. Il peut arriver en passant, mais j'ai mon style, j'ai ma classe, j'ai ma royauté. Ça correspond à mon appel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez apprendre à comprendre. De la même famille peuvent naître deux cousins avec deux attitudes différentes, servant le même Dieu. Jean-Baptiste portait des poils de chameau. Même dans son régime alimentaire, ce n'était pas la même chose que Jésus. Mais tout dépend de ton appel. Si tu es appelé à crier aux gens, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Même ton apparence doit correspondre à ton message. Mais si tu vas dire aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Mon fils, aujourd'hui même on sera au ciel. Tu ne peux pas être habillé en haillons et tu dis ça aux gens. Parce que tu peux en parler du ciel avec une tenue qui ne ressemble pas au ciel. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose de toi qui est précurseur. Fais que ce que tu dis est la vérité. Garde ton originalité. Garde ta spécificité. Garde ce qui est toi. Ne te détruis pas. J'ai dit ce message, c'est pour les gens qui aiment l'intelligence. Dieu est tellement intelligent qu'il nous a donné chacun des profils différents. Amplifie ton profil, ne le falsifie pas. Cette génération a besoin de toi. Comme tu es, tel que tu as été conçu, tel que tu as été appelé. Cette génération a besoin de toi. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Aucune église n'a appelé un homme. Aucun pasteur non plus. Ta destinée se jouera par ta capacité à oser sous le couvert de celui qui t'a appelé. Le courage. Dieu t'a-t-il appelé aux affaires? Ose. Dieu t'a appelé au sport? Ose. Même si ton pasteur ne croit pas qu'on peut être sportif et enfant de Dieu, ose. Il faut briser des barrières. Il faut révéler ce qui est singulier à ton apparition dans cette dispensation. Il faut révéler ça. Frère, il faut révéler. Je lisais la Bible, révérend Blessing. Quand Dieu m'a dit tout ce que j'ai dit aux apôtres, ce n'est pas tout ce que j'avais à dire. Ça m'a choqué. Il a dit, regarde toi-même, la vérité, elle est progressive. Tout ce que je connais et que je prêche n'est pas tout ce qui doit être prêché. Certains d'entre vous iront plus loin. Certains d'entre vous vont dérouler le rouleau à un autre niveau. Tout dépend de la singularité de ton appel. Ose! Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise encore amen. Une dernière fois amen. Si Dieu me dit que l'onction ne parle pas anglais, il est en train de me dire que tout ce qui se passe dans le monde anglophone peut être répété ou fait même plus encore dans le monde francophone. Donc je n'ai pas à croire simplement qu'il n'y a que les anglophones qui peuvent être bénis, les anglophones qui peuvent avoir de l'influence, les anglophones qui peuvent honorer Dieu à un certain niveau. Non, l'onction ne parle pas anglais. La compétence n'est pas blanche. L'excellence n'a pas de couleur. La victoire n'est pas européenne. Et la pauvreté ne s'appelle pas africain. La pauvreté s'appelle pauvreté. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Tu dois être tellement convaincu de ce que Dieu a placé sur ta vie que même quand tu dors, j'ai dit tu dors, tu te réveilles dans le sommeil et tu te vois en train de prêcher sur ton corps. Révérend Gwanda,
je voyageais sur l'Europe. 4h45 du matin, je conseillais, j'ai ce message que Dieu m'a donné. Je me prêchais à moi-même. On a dressé mon lit dans l'avion, je dormais et je me suis vu en train de prêcher sur moi-même, en train de parler sur moi-même. Des messages authentiques, je me suis réveillé, j'ai consigné. J'ai raconté à ma femme le lendemain. Tu es tellement convaincu, que rien n'arrache ça. Ton serviteur ira se battre. Quand Eliab est venu et qu'il a commencé à dire, hey, nous connaissons, il a dit, il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Il s'est détourné. Vous savez, on a tellement de criquets dans nos assemblées, tellement de criquets dans la société, il faut savoir, tu peux être un tueur de lion et ours et tu te bats avec le lapin. Et que je vais plus loin. Il y a des témoignages qu'on ne rend pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de victoire. Si j'ai fait tuer un corbeau, pour moi, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas digne d'être raconté. Ce n'est pas le seul animal qu'il avait tué. Mais s'il a nommé lion et ours, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui terrorise les autres. Montre-moi ton lion qui est mort. Montre-moi ton ours que tu as tué. On est fatigué des lapins et des antilopes que tous les chasseurs peuvent prendre. Tu as tué quoi? Il n'est pas tard. Il n'est pas tard, quel que soit ton âge. Il n'est pas tard. Est-ce que tu sais qu'une seule opportunité, un seul combat est capable de t'immortaliser? Une seule affaire, un seul contrat, une seule rencontre, un seul jour sous le soleil, une seule minute est capable de changer ton histoire. Une seule personne, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Mets ta main sur ta tête et déclare, il n'est pas tard. Je vais y parvenir. Déclare-le chez toi là-bas, il n'est pas tard. Je vais y parvenir. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ce que David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre. Alléluia. Que quelqu'un dise, j'irai, je me battrai, je terrasserai. Alléluia. Amen. Vous voulez que je progresse dans la révélation? On lui a dit, voici ce qu'on va faire à celui qui va tuer. Il va épouser la fille du roi. Vous savez que l'une des choses les plus extraordinaires qui sont arrivées à David, c'est que quand on l'a oint, tout de suite, il a dû côtoyer l'environnement pour lequel l'onction était descendue sur lui. Il y a eu une telle contradiction dans sa vie. Son père biologique l'a envoyé en brousse quand son père spirituel a provoqué l'avènement du palais. Donc son père l'a envoyé en brousse pour les tâches, mais l'onction a fait qu'il aille au palais. Donc le problème s'est produit quand Saül a commencé à perdre la tête. Et on a recommandé David comme un joueur d'harpe. Il avait donc un talent. Mais ce talent l'a introduit dans les parvis de l'endroit où il allait servir plus tard. Et pendant que la folie prenait, ça a eu une chouette de la harpe. Et puis le Saint-Esprit se calmait. Oh, je parlerai bientôt de ces mélodies qui calment et ces esprits qui attirent, ces odeurs qui attirent. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a les sons et il y a les odeurs. Donc, quand il était en train de jouer, et la Bible nous dit que Saül a aimé David. Il a tellement aimé qu'il a fait de lui son porteur d'armes. Donc, il était devenu son porteur d'armes parce qu'il aimait David. On a bien décrit de qui était David. On a dit que son père était Isaïe. Quand il est parti à la rencontre de Saül, son père a envoyé même un paquet au roi. Donc, cette famille n'était plus méconnue du roi. À cause du don de la harpe. Il y a ces talents que certains d'entre nous avons. Dieu m'a dit de te dire, ressuscite-les. Parce qu'il n'y a rien qui soit accidentel. Il n'y a rien qui soit accidentel. Ces dons qui te semblent anodins sont capables d'attirer une attention extraordinaire sur ta vie. Dieu m'a dit de te dire, ressuscite-les. Rien n'est au hasard. Ces talents, rien n'est un hasard. Il n'a pas été introduit au palais parce qu'il était agrégé.
en divinité. Non, 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 non. Il n'a pas été introduit au palais parce qu'il était un économiste brillant. Il a été introduit au palais parce qu'il était un joueur d'harpe. Avait une aptitude spirituelle capable de calmer. Voyez-vous, c'est impressionnant. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Amen. C'est impressionnant ce que Dieu peut faire. Mais, quand le jour du combat est arrivé, quelqu'un dise le jour du combat. Que quelqu'un dise encore le jour du combat. Je vais vous lire quelque chose qui va vous émerveiller. Je vous ai dit qu'affronter Goliath a été une décision de David et non une révélation de Dieu. C'est David qui a décidé, j'irai me battre. On n'a pas dit, Dieu lui a dit, va te battre. Il a dit, j'irai me battre. On est d'accord? Très bien. Et nous parlons là d'un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on est là, oui. Dieu m'a dit, vous savez pourquoi est-ce qu'on a tellement de gens impolitifs dans nos communautés? On est toujours là, Dieu m'a dit. Dieu parle tellement et nos esprits ne ressemblent pas à la grandeur de sa voix. Et il te parle même de toi, il te parle tous de tes voisins. Dieu m'a montré que telle personne n'est pas bien. Dieu m'a montré que telle personne vit mal. Dieu m'a montré comme si Dieu avait fait de toi le censeur de sa maison. La petitesse de nos assemblées. Je te garantis. Ta vie passera à un autre palier. Ta manière de dire amen m'embête. On est sur le point de terminer. Regarde, 1 Samuel 17, verset 23-24. Je parle là de ton audace qui va te transfigurer. Regardez, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Oh, des rangs des Philistins. Et il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Continue, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis. Ils étaient saisis d'une grande crainte. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, dit à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il était enflammé. Pourquoi es-tu descendu? Et tu as laissé le peu de brebis dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Verset 56 à 57. Lorsque Saül avait vu David marcher, voyez-vous, regardez ça. Il a vu David marcher à la rencontre du Philistin. Il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?»« Stop ! Mes frères !» Non, tu as dit, il savait, il ne savait plus. Je vais vous dire la vérité, il y a des actes. Quand tu les poses, même ta mère, même ton père, même ta tante, même tes oncles, même ton pasteur, se posent des questions sur toi. Qui est cette personne ? Revenez. De qui ? Voyez-vous ? Waouh ! De qui ce jeune homme est-il fils ? Donc c'est-à-dire là quand il dit de qui il est fils, il est convaincu à la démarche de David que sa fille est prise. Là il sait qu'il a perdu sa fille. Elle va aller en mariage. Le gars ne sent pas les parfums de Marc. Il n'est pas habillé avec des trucs de valeur. Il sait que sa fille n'entre pas dans la royauté normale, qu'elle va descendre dans la basse classe. Il est inquiet pour le sort de sa fille. Sa fille va épouser ce gars. Alors il veut savoir de qui il est le fils. Ce David avec qui il parlait, il le connaissait. Mais quand il a marché, il s'est douté. C'est-à-dire que ton audace va te transfigurer. Tu prendras une autre dimension. Ta manière de dire amen m'embête. Quelqu'un dit transfiguration. En fait, ça crée une métamorphose prophétique. T'as pas compris? Métamorphose prophétique. Même l'éclat de ton visage change. C'est ce que disait le révérend Hervé. Quand vous descendez à la présence de Dieu, le visage change d'éclat. Il y a une métamorphose. Il y a des choses que vous faites sous le soleil qui créent un changement total de votre être. Regardez, il dit Abner,
chef de l'armée, de tous ces jeunes hommes et tes fils, Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante. Ça veut dire que là, il ne ment pas. Il dit quoi? Oh roi, je vous pose une question. Vous pensez que quand David jouait à la cithare, Abner qui était proche de David, de Saül, il ne connaissait pas David? Comment il peut jurer en disant je l'ignore? Donc comment, en d'autres, écoutez-moi bien, il y a des choses profondes derrière. Donc Abner peut aussi voir que qu'il peut être sanctionné par le roi. Comment y a-t-il un combattant comme celui-là et il n'est pas dans l'armée et tu es roi? Pourquoi tu ne l'as pas recruté? De qui se gare le fils? Je l'ignore. Ça, je l'ignore veut dire beaucoup de choses. Donc David n'était pas le gars qui... Ah, non, c'est-à-dire qu'il a posé les pas. Vous savez, il y a des démarches. Il y a des gens quand ils arrivent quelque part. Vous sentez le charisme. Vous sentez le charisme prophétique. Il y a quelque chose qui dégage. Ne perds pas ça. Si on est mal à l'aise quelque part à cause de ce charisme, change d'endroit. Ne perds pas ça. Tu étais toujours belle. Maintenant tu es là, tu as vieilli avant ton heure à cause des regards de tes soeurs. Reste la même soeur charismatique. Laisse tes cheveux planer au vent. Sois la même personne que tu étais. Que personne ne vienne te déranger et te troubler. Le temps me manquerait pour vous parler de ces charismes génétiquement innés et prophétiquement enfuis en vous, qui révèlent qui vous êtes. Comment un jeune homme comme David, qui est de la famille d'Isaïe, peut avoir les prétentions d'une fille de roi? Souvent les appétits que les hommes ont révèlent ce à quoi ils sont appelés. Tu vois un gars, il est là, il est dans rien, mais quand il dit qu'il va épouser une femme, son regard n'est jamais dans une fille, il regarde toujours les reines. C'est parce que quelque part il est appelé à roi. Mais mon frère, ne demande pas un mariage avant d'avoir tué Goliath. Tue Goliath avant le mariage. Il y a des batailles de la vie qui te donnent ta femme. Faut pas rester là en disant, il aura causé 1000 ans à la fille de David. Il n'aurait jamais épousé. C'était deux castes différentes. En fait, pour quitter, pour migrer de l'esclavage à la royauté, il faut oser. Ça s'appelle l'audace. Je suis né esclave, mais je meurs roi. À cause de mon audace, quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore. Hey, hey. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la royauté, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de prisme de vue, de vie, de manière d'être. Je connais des gens qui ont l'argent qui ne savent pas vivre. Certains parmi vous avez beaucoup d'argent avec vous, maintenant vous créez des torticolis. Vous ne savez pas vivre. Vous mangez mal alors que vous avez l'argent. La royauté et l'argent, c'est deux choses différentes. De qui ce jeune homme est le fils? La démarche. Quand le gars a commencé à avancer, il y a des dégagements prophétiques. Ne marche pas pour faire plaisir à la société. Marche comme quelqu'un qui va à la rencontre de sa destinée. Est-ce que quelqu'un peut donner le meilleur des amen? Donne-moi ton meilleur amen. J'étais au free shop avec une soeur, une dame, pas une soeur. Elle m'a les pieds fait grain, grain, grain. J'ai dit stop. Je me suis arrêté, j'ai dit soulève tes pieds. Une femme ne marche pas en train d'aller grain, grain, grain. C'est quoi ça? Elle dit, je suis fatigué. Elle dit, tu portes tes pieds. Et tu les poses. On ne marche pas en tirant les pieds. Je dis, recommence. Elle a soulevé. Tac. Je dis, c'est comme ça qu'une femme marche. Faut pas dire à une femme, tu vas tirer. Tu vas où avec ça? On ne marche pas comme ça. Il y a une manière d'être. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta valeur n'est pas déterminée par l'homme qui t'épouse, mais par le Dieu qui est ton père. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut t'en foutre si on dit que tu fais le malin. C'est ta manière d'être. Prends-toi au sérieux. Foncez. Même quand tu poses. Vous savez, j'ai vu les femmes, elles posent les talons, elles font ça. C'est pareil. Si ce n'est pas beauté, les talons, laisse les talons tranquilles. Faut voir, il y a des filles qui peuvent. Tu
comme tu es à l'aise, tu sens le, il y a quelque chose dans le, il y a quelque chose derrière. Amen. Que cette grâce soit communiquée. Donne à ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Dans la vie là, frère, écoutez-moi très bien. Ça va vous paraître quelque chose d'anodin, mais la manière dont vous apparaissez détermine comment est-ce que les gens vous prennent et comment est-ce que les gens vous traitent. Prenez-vous au sérieux. L'homme regarde à l'apparence, mais pas au cœur. Le Dieu qui regarde au cœur traite bien ton apparence. Quand il a marché, il a dégagé quelque chose. Quand vous avez quelque chose dans l'âme, ça se fait voir. Ça se fait voir. Ça se fait voir. Vous êtes au milieu de plusieurs. Les gens vous regardent et tout le monde veut venir vers vous. Ça m'arrive plusieurs fois. Ouais, les gens importants. Un jour, j'étais dans un avion avec le ministre des Finances. Je vous donne pas de quel pays. On était tous dans la même cabine. Quand on entrait dans l'avion, je suis en train de te poser la question, qui est le ministre des Finances ici? Tu dis, c'est Wafo. Lui-même, le ministre des Finances, il m'a regardé, il était en jaillit. Les gens portent le chapeau, mais la manière de mon chapeau est inclinée d'une manière. Tu vois, il y a un petit truc, un petit détail. C'était posé, voyez-vous, comme si j'ai négligé, mais sans négliger. C'était millimétré sur la tête. Alors, je me suis levé pour aller aux toilettes et il m'a suivi. Il a attendu à la sortie des toilettes et il m'a bloqué. Il m'a salué. Il a dit, bonjour monsieur, j'ai dit salut, bonjour monsieur le ministre. Il m'a regardé. Il m'a demandé qui vous êtes. Donc il a posé la question, qui vous êtes? En ce moment-là, vous ne dites pas je suis pasteur. Il va dire, oh. Donc en ce moment, la manière de t'introduire avant d'atterrir sur pasteur détermine la suite de la conversation. Je suis un embellisseur de destinée. Est-ce que quelqu'un... Je suis un embellisseur de destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que cet homme-là, il a été nommé par décret présidentiel. Mais moi, j'occupe une fonction que même à ma mort, mes os témoigneront de mon appel. Donc, je n'ai pas à trembler devant lui parce que je porte quelque chose de particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je suis un embellisseur de destinée. Il a dit un embellisseur de destinée. J'ai dit oui. Quand je rencontre les gens, je les rends meilleurs. J'avais déjà appelé monsieur le ministre. Quand vous dites ça au ministre, en regardant dans les yeux, il veut en savoir plus. Vous avez entendu parler du révérend Raoul Wafo? Il dit, oui, ce nom me dit quelque chose. J'ai dit, c'est une parcelle de ce que je suis. C'est une parcelle. Vous savez, frère, l'audace, il faut être audacieux. Est-ce que vous comprenez? Audacieux. Cet homme, quand j'arrivais à sa salle d'attente, et qu'on dit je suis là, il est en réunion, il arrête la réunion, il traîne notre salle pour me voir, on parle avant que je sorte. Frères et sœurs, prenez-vous au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? De qui ce jeune homme est-il le fils? Quelqu'un dit pousse. Dis encore pousse. En fait, celui qui a porté les habits de Saül était le fils d'Isaïe. Mais celui qui allait affronter Goliath était le fils de Dieu. Donc dans la dimension, il est parti, il dégageait quelque chose de Dieu. On ne pouvait plus le reconnaître naturellement. Que cette divinité que tu incarnes, qu'il y ait une transfiguration dans ta vie, que ta vie passe à un autre palier. Donne-moi trois bons amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Élève tes mains vers le ciel. Commence à prier, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier, rends grâce à Dieu. Rekoto brande kebro sate, rababo sanderebo sarababo, rekete brao sandereba, rekete mando kable kasote. Rebo sakata. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Souvent, certaines situations ont duré longtemps et on a l'impression que bon, dans tous les cas, on va s'y contenter. Même si on meurt, on ira au ciel, c'est pas grave. Eh bien, il ne faut pas accepter ce genre de mensonge. La femme qui avait la perte de temps, de sang, l'a eu pendant 12 ans. Ah ouais, 12 ans. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, cette fois-ci, je vais oser.
elle était résolument déterminée 12 ans durant de ne pas rester dans cet état, de ne pas mourir dans cette condition. Et elle est devenue immortelle parce que la Bible parle d'elle comme une femme d'exploit. Souvent nous avons porté les noms que nous donnent des défis auxquels nous avons été confrontés. On t'appelle pauvre, on t'appelle mendiant, on t'appelle aveugle, on t'appelle stérile, on t'appelle ci, on t'appelle ça. Mais tu n'as pas le droit d'accepter ces noms. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire de ta condition. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire la même chose. Tu dois à la fois appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Frère, la première fois que j'ai eu la révélation sur la richesse, c'était en 1997, j'étais en Sierra Leone. Et Dieu m'a parlé du sang qui a ôté le péché. Donc, de facto, la pauvreté est devenue illégale. Alors, mon salaire, quand je suis rentré au Cameroun, en 1998, d'abord, on ne m'a plus payé. Parce que j'ai quitté 25, 25, plus rien. Donc, je suis venu, on ne me payait plus. Donc, tout était mis en place pour que je ne croie pas en ce que Dieu avait dit. Mais je continue de croire. Je suis arrivé ici alors que Dieu m'avait révélé toutes les choses par bûche. Les moustiques m'ont accueilli à la gastif. Je vous épargne les combats que j'ai menés. Les batailles auxquelles j'ai fait face. Incluent des pasteurs de l'église qui ont monté des complots, qui ont failli m'ôter la vie. Je vous épargne des témoignages que je ne veux pas dire parce que j'estime que c'était des faux frères. Et que les frères dans le Seigneur ne font pas de telles choses. Frère, il y a tout type d'adversité pour te dire, tu t'arrêtes là. Mais frère, ça, écoutez-moi bien, la foi est intérieure. Tu dois avoir le courage et l'audace de... Quelqu'un m'a dit, on n'a jamais vu ça. Comment tu veux faire une église avec la climatisation? Non, les églises, non. On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu qu'on ne doit pas faire. Non. Ce que Dieu t'a mis à l'intérieur de toi là, cette conviction profonde, je peux ne pas te comprendre. Hé, frère, Isaïe n'a pas compris David. Il a renvoyé David en brousse s'occuper des brebis. Mais c'est le même que Dieu a utilisé pour exposer devant Goliath. Ton père peut ne pas te comprendre. Ce n'est pas assez pour que tu le méprises. Ah ouais, il peut ne pas te comprendre. Il peut ne pas te comprendre sainement. Il peut ne pas te comprendre par envie de te protéger. Mais ça ne doit pas te limiter. Ah non, 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 non. Il y a des choses qui doivent naître de l'intérieur de toi par conviction profonde. Personne ne t'arrête. Frère, venez en Côte d'Ivoire. On ne m'a pas venu me dire, ah, c'est pas une aval pour dire oui, oui, tu dois partir. J'ai lutté avec cette conviction. C'est ce que Dieu veut pour moi. Jusqu'au Ghana, on m'a dit, tu peux aller au Mali, tu peux aller au Burkina. J'ai lutté pour dire, c'est la Côte d'Ivoire. Amen. Vous savez, la vie, il faut oser. Couché à la gare de bus, sur mon sac, les immeubles, quand je rentrais la nuit, parlaient pour dire tu t'es trompé de destination. Un petit garçon frêle, sans connexion, sans relation, j'avais pas de contact à l'étranger, personne, mais je connaissais Dieu. Vous savez, même dans votre petitesse, dans votre faiblesse apparente, ne négligez jamais votre connexion avec le ciel. David, tout petit, a dit, tu viens avec moi, contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Je trancherai ta tête. Il faut être audacieux pour parler comme ça. Je trancherai ta tête. Hey! Je trancherai. Ça veut dire que lui-même, le gars, regardez, a commencé à dire vraiment, les gars là sont fous. Un gars qui a la foi ne peut pas trancher une tête. Vous savez, vos exploits dépassent la capacité de vos armes. Je reprends. Vos exploits dépassent la capacité de votre arme ou de vos équipements. Quand il a dit je trancherai la tête, il n'a pas dit je vais fracasser ton crâne. Parce que s'il parlait de fracasser le crâne, il s'appuyait sur sa fronde. Mais trancher ta tête, c'est autre chose. Il a regardé son ennemi et il a dit tu as bien aiguisé ta lance, je vais m'en servir. Souvent l'ennemi pense qu'il est trop armé contre toi, mais en fait il s'est armé contre lui-même. Je lève ma main vers le ciel, je décrète, déclare établi que celui qui a creusé un piège contre toi, il tombera lui-même au nom suprême de Jésus. Celui qui a envoyé la sorcellerie contre toi sera mangé par cette sorcellerie. Les sorciers de ton village n'auront pas raison de toi au nom suprême de Jésus. J'engage cette parole sur ta vie. Tu appartiens au corps de Christ. La main de Dieu est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen.
Quelqu'un dit encore amen. Une troisième fois amen. Acclame très fort ton Créateur. Acclame-le pour ta vie. Récondamné, acclame-le. Chaque cobre sur les babos et terrano. Récondamné dans cette déboire de quebro. Chante de quebra, sarababo. Rababo, ça attend tout le monde la caméra là. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a des problèmes qui sont causés par le ciel pour pouvoir t'exposer et te permettre de passer à un autre niveau. L'arrivée de Goliath était la seule opportunité que David pouvait avoir pour être roi incontesté sur le peuple après l'onction qu'il avait reçue. Après cette victoire, les femmes ont chanté. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc c'était une opportunité en or. Parce que toute l'armée était présente, tout le peuple était présent, tous les combattants étaient là. Il a eu des victoires secrètes, des victoires pas publiées, ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur Twitter, rien. Mais cette victoire-là, la télévision nationale et celle du ciel étaient là pour voir. C'était le jour de son jour. Je suis en train de te dire, essuie tes larmes. Le jour de ton jour est en train d'arriver. On est en train de t'accabler avec tellement de choses. On est en train de t'accuser de tellement de choses. Mais Dieu me dit de te dire, c'est le jour de ton jour qui se prépare. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension, oui. Parce que l'adversité a pour ceci d'extraordinaire. Cela révèle ta réelle identité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Vas-y, pousse et crie. Pousse et crie de joie. Pousse et crie. Pousse et crie de joie. Pousse et crie. Pousse et crie de joie. Alléluia. Pousse.